La Banque arabe pour le développement en Afrique, BADEA, va contribuer aux efforts du continent africain dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le président de l'institution financière a procédé vendredi 7 octobre à la signature d'un protocole d'accord avec l'African Risk Capacity Group en marche à l'African SMEs Champions Forum qui s'est tenu du 6 au 7 octobre 2022 à l'effet de renforcer les capacités de l'African Risk Capacity Group dans la recherche de solutions résilientes aux conséquences des changements climatiques. The MOU that we signed today with the Director General of BADEA and myself fits within that strategic partnership between Africa and the Arab world to make sure we join our forces in building a resilient Africa vis-à-vis climate change. As you know, it affects many Africans, particularly vulnerable communities. What we are committed to doing and making sure we help, first of all, Africans to manage disaster more appropriately in a much more sustainable way. And here we're talking about drought, tropical cyclone and flood, as you see in many African countries. Un acte qui dénote la volonté de la BADEA de contribuer à la réalisation des promesses faites à l'Afrique pour s'adapter au changement climatique. Bien que pollueur négligeable, selon les données scientifiques, avec un taux maximal de 4%, l'Afrique subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques avec, entre autres manifestations, les inondations, les cyclones ou encore l'insuffisance alimentaire. It is the continent which suffers the most from the climate change. This is why we see a very important potential for cooperation between us and ARC Group, because ARC Group is the African institution in charge of dealing with risk related to climate change. So we are working together to develop a platform which will enable us to mobilize more resources, not only from Africa but also from the Arab world, to help African countries to better mitigate the risk related to climate change. De la COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra en Égypte en novembre 2022, aboutira sur des échanges entre les deux institutions sur les attentes et propositions d'adaptation au changement climatique afin de fixer l'enveloppe du soutien de la BADEA à l'African Risk Capacity Group.